Salut tous les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation du tout nouveau QG de Franklin. Le tout nouveau DLC les gars, le nouveau garage de Franklin. Ça va être vraiment pas mal, ça s'appelle l'agence. Et du coup on est parti, let's go, on perd pas de temps. C'est parti, vous allez tout simplement ici les gars dans agence, hein, tout simplement. Vous allez dans votre téléphone, Dynasty, accéder au site. Et vous allez tout simplement mettre ici les agences. Et on en a 4. Alors, on en a pas mal, hein. Ouais. Et la plus chère, c'est celle-ci. Donc, je pense qu'on va prendre la plus chère. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a une vue magnifique. Donc, honnêtement, pourquoi se faire chier alors qu'on peut prendre la plus belle, quoi. Alors, en termes de customisation, on a quoi? On a Big Money. Ok. Et on a celui-là. Avec une vue. Ouais. Je vais prendre celui-là. Make it big. Il est pas mal du tout, j'aime bien. Ouais, j'aime bien celui-là. Ah, en fait, on a plusieurs trucs, ok. Vinwood. Yes. Yes, 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 ok. Alors, papier peint. Alors, on a pas mal, on a celui-là, on a celui-là, 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 celui-là en. Bah, ça fait un peu. Non, j'allais dire ça fait un peu de l'or, mais non. On a celui-là. Ah, celui-là, il est magnifique. Celui-là et celui-là. Franchement, ils sont tous bien. On va prendre le plus cher, les gars. On va prendre le royal. Le plus cher. On va custom vraiment à fond comment ça va nous coûter. Déjà 2 millions 8, hein, plus 420 000, ça fait 3 millions 2. En termes de couleur, je pense qu'un petit. Ah, je sais pas. Je pense qu'il faut rester soft, les gars. Genre noir, c'est bien noir, ouais, c'est bien. La salle, je crois qu'il a pas custom comme ça, je me rappelle plus trop comment il a custom. De toute façon, on a fait une vidéo avec la salle sur la customisation, les gars, vous allez kiffer. Armurerie, forcément, on achète 720 000 l'armurerie. Waouh, waouh, waouh. Et ils abusent à mort sur les prix. Waouh. Et les gars, 720 000 l'armurerie? Ouais. Faut croire, what the fuck, mais c'est trop cher. Bah non. Bah la salle 720 000 quand même. Enfin dit. Waouh. Logement 275 000. Atelier véhicule. Ça fait 5 millions le truc. Putain. Et voilà. C'est acheté. Ok. Et eh ben on est parti pour rentrer dans l'agence les gars, let's go. On va voir à quoi ça ressemble cette magnifique agence. Est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est pas belle, est-ce qu'on l'a bien custom, etc. On va voir ce que ça donne. Donc déjà c'est plutôt luxueux. Ah ouais. On a une animation. On peut patienter une seconde. Ok, on patiente les gars. Moi je patiente, hein. Voilà, je patiente, voilà. Oh, je patiente. Je patiente. Je patiente. J'ignorais que tu faisais. Tiens, attends, moi c'est une lune là, comment ça? Ça ne se reproduira plus. Bah, encore heureux que ça ne se reproduira plus. Oh! What the fuck? Et regardez, il y a Franklin Vieux derrière, Franklin Vieux devant et Franklin Vieux là, du coup. Bon, je vous laisse écouter, les gars. Il a dit bouge plus trop maintenant, c'est qu'il est vieux. Alors déjà on peut voir que Shop a vieilli et Franklin vieilli. Le jeu est sorti en 2013. Donc ça a quasiment 7 ans les gars. Pouah, magnifique le billet de $100 les gars, incroyable. Salut Mani.
Imani. Est-ce qu'ils ont fait référence à Scarface? Je sais pas. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là? Yeah, il a sorti une liasse, c'est tout. C'est grave stylé, les gars. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a avec son herbe, lui? Incroyable, les gars, franchement incroyable. Bah ouais, mec, j'ai un bureau, je veux dire, je travaille avec Franklin maintenant, t'as cru quoi? Eh bien, c'est fini. Nouveau contact Franklin. Oh, magnifique, les gars. Alors, le QG est plutôt stylé. Donc là, on a. Wow, là, 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 mais regardez-moi ça, le yes. You exciting strings. Ok. Alors, on a quoi d'autre? Donc, notre bureau. On est à quel étage là? On est en bas? On est tout en bas, je crois. On est tout en bas. Ah non, on peut descendre encore là. Non, là, notre bureau. Ah, on peut descendre ici. Ok. On va descendre en bas. Par contre, on peut cavaler. Ça, c'est bien. Le fait de pouvoir courir, ça permet de se déplacer plus vite. Ouh, la petite statue. Ça, c'est l'entrée. Nothing is free. Ok. Ok. Ah, voilà, maintenant, tu sais qui je suis. Hein, parce qu'il me clashait au début. Il pensait que j'étais un intrus. Non, non, non. Et mec, c'est moi, là. Je veux dire, maintenant, j'ai un bureau ici, tout. Donc. Alors, ici, c'est chaud. On va remonter par là, je crois. C'est par là. Ok, donc ça c'est le premier étage, deuxième étage. Par contre, j'aime plutôt bien le fait de l'avoir mis en mode un peu noir, un peu. Ouais, c'est franchement ça rend stylé. Ok, alors ici on a une cuisine. Bonsoir. On a une armurerie, les gars, 720 000 ça. Elle vous permet de miser une juridiction exclusive sur l'achat de vos armes et équipements. Ah bah j'espère, parce que pour 720 000, je peux te dire que. Ça m'a coûté un bras, les gars, 720 000. Il fait peur par contre, le gars. Ok. Vous pouvez acheter de l'équipement tel que des recycleurs, des lunettes de vision nocturne et des oreillettes. Oh, pas mal ça. Ça, c'est les armes que j'ai, ok. Et ici, on peut acheter des recycleurs. Ouais, j'ai déjà. Vision nocturne. Oreillette LCD, oreillette grise. Oh, c'est pas mal. Ok. Ici, alors il y a un nouveau truc. Je sais pas c'est quoi. C'est les. Enfin. Rockstar, ils nous ont mis des boissons énergisantes maintenant. Alors là, je bois quoi là? Je sais même pas ce que je bois. Ok. Là, on peut boire une boisson énergisante. On va boire, hein. Tranquille, au calme, les gars. Wow. Pourquoi il fait ça, les gars, alors que c'est une boisson énergisante? Genre, je me booste quoi? Alors, on a quoi d'autre ici? On a.
Bah pour se changer, ouais, changer les vêtements. Par contre, les tableaux, je kiffe. Oh, chope! Il est en train de dormir, chope! Oh! On va faire une petite photo avec chope, les gars. Allez, chope! Salut! Chope, il est stylé, les gars. Ici, donc, rien de spécial. On peut boire du vin. On peut partir par là, on peut descendre dans les garages. Oh, on va descendre dans le garage. Ok, on a tout visité. Il nous manque plus que le garage à visiter. Et honnêtement, c'est plutôt sympathique. J'aime plutôt bien ce nouveau QG de Franklin, le nouveau garage de Franklin. On va aller voir ce que ça donne au niveau du garage, combien de véhicules on peut mettre, etc. J'espère qu'on peut mettre pas mal de trucs. Hein, parce que honnêtement. Ok, je suis au moins 1. Alors. What the fuck, c'est quoi ça? Oh, mais c'est la voiture de Franklin, on a amélioré. On peut pas voir comment ça s'appelle comment? Oh, c'est la nouvelle de voiture. Ok, c'est la voiture de Franklin améliorée, les gars. Franklin 1988. 1988. Ok. Et Franklin FC. Franklin P1. D'accord. Ici, on peut customiser les voitures. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut customiser les voitures directement ici. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on a un deuxième garage en bas. Ok. Et un troisième garage. Donc, je dirais qu'on peut mettre à peu près. Une vingtaine de véhicules et on a toujours aussi ces fameux tableaux qui sont stylés. Et enfin, on va aller sur le toit. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant c'est plutôt stylé. Hein. Je kiffe. Voilà, je kiffe. On va aller voir en haut. Ça donne en haut. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Un toit avec un H, ok. Rien de spécial et on a une vue. On est pas mal. On est pas mal. Ok, eh bien écoutez les gars, c'était la customisation du tout nouveau QG, du nouveau garage qui s'appelle du coup tout simplement l'agence de Franklin, Franklin Hilton. Bon, ça, c'est tout. Ciao, ciao.